Tu dis tu es chrétien, pourtant ton cœur est noir. Tu dis tu es chrétien, pourtant ton cœur est noir. Tu te fais voir comme si tu étais le plus saint de ce monde. On t'appelle, je suis à l'église, je suis chez l'homme de Dieu. Et dimanche à l'église. La Roro, ça fait deux jours, hein. Allez, ma mais en tout, comment tu vas? Je vais très bien. Non, 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 hein? Ma chérie, tu es rentrée dans le corps d'un blanc. Affaire-moi. Tu es au prophète. Il vous a pas dit à l'église là-bas. Il nous a rien dit. Oh. Vous aussi. Il y a des trucs qu'il ne doit pas garder. Si, pourquoi tu veux que le prophète nous dise un secret? Ah! Vous voyez ça comme ça. Sinon, moi, pour moi, hein? C'est une très bonne nouvelle. Donc, ça peut passer. Ok. Mais si vous connaissez la nouvelle, dis-nous. Bientôt, mon blanc m'a promis le mariage. Ah bon? Aïe, ça cause ici dans Jenny quand il reste mes os. Ah, toi aussi. Et tout le mec, c'est pas encore. Il n'a pas encore aussi la date. Y'a pas. Ça te fait partout. Ça fait quoi? Non, mais c'est mauvais. Non. Comment c'est mauvais? C'est une bonne nouvelle. Yeah, heureusement que tu es tombé sur nous, les bonnes soeurs. C'est sinon, sinon quoi? Ce que tu es en train de faire là, c'est quelque chose qui est dans le secret. Vous êtes en train de prier pour ça. Ma chérie, il faut te concentrer. Vous allez prier, mais tu es en train de propager un peu ta vie, un peu de Dieu. C'est pas bien. Ne fais pas comme les gens de la Bible là. Les gars, Jean. Je parle des pharisiens. Ah, mais c'est ça, c'est moi ici, ivoirienne. Tu connais Azopé? Oui. C'est de là-bas je viens. Okay. Sinon, pharisien là, c'est pas moi. Ma chérie, je sais que tu es ivoirienne, mais tu dis ça juste pour mettre la bonne voix, c'est tout. Donc, faut l'écouter. Ah, j'écoute. Tu as vu? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6, verset 6, que si tu veux prier, il faut rentrer dans ta chambre. Ferme ta chambre, il faut prier. Ton Père qui est dans les lieux célestes, il attend ce que tu dis. Mais il ne faut pas propager un peu ta vie un peu partout, c'est pas joli à voir. Et puis, c'est comme le mariage, c'est comme. Et on n'a pas encore décidé au village. Tu parles comme ça. Alors, tu fais pas. Après, c'est pour accuser les gougnons. Oh, gougnons, là, je sais pas. Mais gougnons, ils font aussi. Non, mais si, ils font. Mais toi, tu leur donnes le croix de lui faire. Puis, si tu n'aimes pas, tu ne t'aimes pas. Ah, donc, il explique partout, là. Oui. C'est pas bon. D'accord. Laisse-moi, je vais te donner ce conseil. C'est pas bien. D'accord. Et pardon, ce que j'ai dit, là, faut pas prendre ça en mal. Tu as compris. C'est pour ton bien. Tu m'attends. C'est pour ton bien, ok? Voilà. Quand c'est comme ça, là, on fait les choses dans le secret. Et Dieu aussi l'a dit. C'est comme ça, là. Donc, comme c'est comme ça, moi, il est fait. Encore pas les manger, on va pas okay, vraiment merci pour le conseil. C'est sûr, pour prier dans la chambre.